est André Cheyenne, une Marseillaise pure souche d'origine polonaise. Quand on a eu 20 ans, mon pote Arthur m'a proposé d'acheter une voiture pour vadrouiller en Espagne. C'est vrai qu'ici, la vie d'adulte commençait à m'ennuyer. Stage en entreprise, paperasse, routine, rien de très excitant. Alors, par un beau matin d'octobre, on a fait une croix sur nos responsabilités et on a déserté. On a commencé par la Camargue, les Pyrénées, Barcelone, et on n'a pas été déçus. Plus on descendait vers le sud, et moins la bière était chère. Pour nous, la vie n'avait jamais été aussi facile. Les bornes ont défilé jusqu'à Valence, Madrid, Grenade, aux portes de l'Andalousie. Mais arrivé là-bas, les choses ont pris une tournure bien différente. Quand la liberté prend le goût de l'ivresse, il devient impossible de faire demi-tour. Moi, j'aimerais beaucoup aller en Afrique. On apprendrait bien plus de choses. Et tu sais qu'on est à 3 heures de route du Maroc. Hein. Ah ouais? Tu vas au détroit de Gibraltar. Après, tu descends à Casablanca, sur la côte atlantique. Après, tu descends dans les montagnes. Et t'arrives à Ouarzazate. Et là, t'es à mi-chemin entre l'Atlas et le désert. Et là, t'es au bout du monde. Au bout du monde, mec. L'histoire que je vais vous raconter s'est écrite de l'autre côté de la mer.